départ de ce contre-la-montre par équipe de 33 km entre Koupéla et Zorgo, toutes les équipes se préparent à cet exercice très particulier. Si la lutte pour le maillot jaune est acharnée, les Béninois ont fait un gros travail de préparation. C'est le temps du troisième de l'équipe qui sera pris en compte et le temps au général sera plafonné. Pour l'équipe du Bénin, à cause des difficultés de s'entraîner dues au Covid, ils finissent à la dernière place. Les Burkinabés ont tout donné aujourd'hui. Ils réalisent le septième temps. L'équipe a sans doute payé le contre-coup de la chute qui a pu affaiblir les leaders. Le quatrième temps est signé par l'équipe belge, amené par son leader Wouters, ancien maillot jaune. Leur chrono ne lui permet pas de reconquérir le maillot jaune. Yacine Hamza, maillot jaune au départ de cette étape, compte bien conserver sa tunique. L'équipe algérienne réalise le troisième temps, mais déçoit un tout petit peu car elle n'a pas permis à son leader Yacine Hamza de conserver le maillot jaune. Très belle performance d'une surprenante équipe suisse qui a fait preuve de beaucoup de solidarité et signe le deuxième meilleur temps. L'équipe du Maroc confirme sa puissance sur le tour avec un très beau travail collectif. L'équipe gagne avec une vitesse moyenne de 43 km/h. Elle permet à son leader El Kouaji de s'emparer du maillot jaune. Cette victoire d'étape pour l'équipe du Maroc sera dédiée à Francis Ducreux, créateur du tour. À trois jours de l'arrivée finale, la conquête du maillot jaune reste ouverte.